Rien, hein. Ça ne me surprend pas. Il y a eu du vilain dans les environs de la cour des miracles. Tu devrais aller voir. Tu n'y arrives pas? L'affaire n'est pas simple, hein? De courtoisie, voyons. Pour l'édification du peuple, je dois représenter à la perfection la mort de ce héros. Il me faut du calme. Un peu de courtoisie, voyons. Pour l'édification du peuple, je dois représenter à la perfection la mort de ce héros. Il me faut du calme.
passe quelque chose là-bas. Sans lui, nous voilà orphelins. C'était un authentique révolutionnaire. J'ai vu tant de femmes entrer et sortir de cette maison que j'avais parfois l'impression qu'il tenait un bordel. On a arrêté des suspects et les gendarmes les ont emmenés à la prison de Saint-Germain. Ils auront de la chance de survivre au voyage. J'aime bien parler de ce cadavre à la gare. Un homme bien étrange. Reviens ici, voleur ! Au voleur ! Mais arrêtez-le ! Il est parti par là ! Une femme est venue m'acheter ce couteau la semaine dernière. Ce manche en ébène en faisait l'un des plus chers de la boutique. Mais elle se moquait du prix. Elle m'a demandé l'adresse d'un hôtel, mais je ne le connaissais pas. Une femme est venue m'acheter ce couteau la semaine dernière. Épargnez-moi, j'ai de quoi payer. J'ai de l'argent. Yeah.
Très bien, Matt. Dehors, sur le champ. Tu n'as rien à faire chez moi. Allez, répandez leur cervelle. Eh bien, voilà une surprise. Que voulez-vous donc? Très bien, maintenant prenez le même chemin, mais dans l'autre sens. Écrasez-les, qu'il n'en reste rien! Vous venez me voler? Mais je n'ai rien qui en vaille la peine. Eh bien... Je ne fais pas d'affaires avec les gens de votre espèce. Laissez-moi passer. Je préfère attention à ma traite. Oh, allez, au diable! Je ne fais pas d'affaires avec les gens de votre espèce. Il y a de l'animation là-bas. Ah. Bravo. Paris qui l'a bu. Ça s'agite là-bas. C'est moi. Ce chien l'avait mérité. Il avait fait tuer mon père. Mon père n'était pas un traître, au contraire de cette vermine de Marat. Je mentirais en disant que ça m'a brisé le cœur. Jean-Paul avait éloigné mon amant. Il était si étouffant. Et avec tous les ennemis qu'il s'était fait à Paris... Je tremblais du matin au soir.
Il était tellement obsédé par la Révolution que tout notre argent y passait. Il posait rarement les yeux sur moi. J'imagine qu'il est mort comme il le rêvait, en martyr. On m'a envoyé chez lui pour le tuer, mais le travail était déjà fait à mon arrivée. Compte tenu des écrits de Marat, c'était lui ou nous. Je ne reconnais pas de Girondins dans cette liste de noms, mais allez poser la question à quelques-uns de nos chefs. Je vais vous écrire l'adresse. Allez présenter la liste là-bas. Vous trouverez bientôt la preuve de ma culpabilité. Je n'ai tué Marat que pour remplir de crainte le cœur de ses partisans. Vous trouverez bientôt la preuve de ma culpabilité. Je n'ai tué Marat que pour remplir de crainte. Il était tellement obsédé par la Révolution que tout notre Vous trouverez bientôt la preuve de ma culpabilité. J'imagine qu'il est mort. Ôter une vie pour en sauver des dizaines de milliers. J'ai fait mon choix. J'accepterai volontiers l'étreinte de Madame Guillotine. Une humble offrande aux citoyens de France. Je ne peux pas dire que la mort de Marat m'étonne. Vu les ennemis qu'il s'était fait, il a duré longtemps. Allez-y, prenez une arme. Arrêtez de venir m'ennuyer. Un beau panier de crabes cette fois, hein? Les preuves te conduiront coupable, comme toujours.